Mesdames, bonjour, je vous remercie d'être ici. Malheureusement, on est 9000 dans la morée. Mais il y a qu'une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont là. La plupart des gens, ils dorment ou ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre. Nous, quelques personnes que nous sommes là, on a marre de la forêt. La forêt, la morée, c'est là, on peut dire, c'est diché d'Aulnay-sous-Bois. Le diché d'Aulnay-sous-Bois. Monsieur le maire, il ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on souffre. Qu'est-ce qu'on passe par les dealers? Le dégât. Les enfants, ils sont pris dans les bras des dealers, 12 ans, 14 ans, devant la porte. Et devant la porte, ils prennent l'habitude à être dealers comme eux. À 15 ans, être dealers comme eux. Alors, il y a la casse dans les immeubles. Il n'y a pas de réparation. Les ascenseurs, l'augmentation de charges. Le travaux qui doit être fait depuis X temps jusqu'à ce jour-là, il n'y a personne qui s'est réuni. L'augmentation des impôts locaux, augmentation de impôts, taxes foncières, est augmentée de 200 euros chaque augmentation de foncière, 200 euros, habitation 200 euros. C'est monsieur le maire qui augmente tout ça. Pour quelle raison? C'est pas lui. Bah, pour quelle raison? Pour avoir notre sécurité. La police, il vient ici, les bras ils sont courts, il ne peut pas taper sur toutes les portes. Il faut avoir l'autorisation, monsieur le procureur, autorisation, pas monsieur le préfet. Alors qu'ils viennent se faire montrer leur visage, ils s'en vont, ça ne fait ni chaud ni froid. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de vivre dans notre immeuble. Comme tous les autres immeubles qui se trouvent de la gare à l'autre côté, libres, bien, on paye nos impôts, on paye nos droits. On est des gens honnêtes, on n'est pas des gens qui vient de l'Afrique, ou qui vient d'Algérie, ou Tunisie, ou de l'Espagne, ou n'importe, on est tous égaux. On est tous égaux. Alors, on demande à l'État, les personnes qui m'écoutent, soit le préfet, soit le ministre, soit monsieur le maire, s'ils ne fassent pas un bus de CRS devant nous, devant l'immeuble 12 rue d'Isonne, pendant un mois, le marché ne se cassera jamais. Il attendait quand est-ce il y aura un mort ou deux morts pour qu'ils disent « Ah, excusez-nous, c'est pas de notre faute » ou bien « Voilà, c'est ce qui se passe, la famille en douleur, les autres en douleur » à cause de ces dealers-là qui gagnent leur argent, 25 000 à 30 000 euros, on marque supermarché, l'éclair au supermarché ou n'importe quoi, ça vient de toute la France. Je ne vous cite pas les arrondissements, parce que les arrondissements, on en a plein. Il faut avoir un bus de CRS, devant la porte. Nous sommes à côté de l'école. L'école, il y a 10 enfants. On l'envoie acheter un casse-croûte et on leur donne 5 euros. L'enfant, le lendemain, il ne va pas à l'école. Il va chez le dealer. Pourquoi? Il s'assoit à l'escalier pour avoir le 5 euros. Et ils grandissent avec ça. Et nous, on ne veut pas nos enfants qui grandissent comme ça. Chaque famille, il faut qu'ils fassent attention à leurs enfants. Et ben voilà, je ne peux rien dire en ce moment. Parce que malheureusement, la présence de monsieur le maire, il n'est pas là encore. Son adjoint est là pour monsieur. On est en train de distribuer les médailles. Et il y avait quand même monsieur Mercier qui est là. Oui, monsieur Mercier, il est là. Merci pour lui. Monsieur le Mercier, il est là. Et je représente la mairie. On remercie monsieur le Mercier. Merci quand même. Nathalie, il faut quand même de temps en temps remettre les choses, les pendules à l'heure. Oui, bien sûr. Et quand vous avez eu l'incendie au 12 rue des Aulnes, bien sûr, mais l'incendie, et les gens ont été pris en charge. D'accord. 10 jours. D'accord. Alors, mais l'incendie, c'est bien. Ce que je veux dire quand même, c'est que au bout du compte, nous connaissons tous, et j'étais le premier à aider à la création des associations Solidarité et Solidarité Résistance. Pourquoi? C'est parce que tant que les gens ne prendront pas leur destin en main tant qu'ils seront dans la peur, et qu'ils ne seront pas solidaires, vous aurez ces phénomènes-là. Voilà. Il faut que la terreur change de place. Et moi, ce que je vais dire, c'est que j'ai été, dès ma nomination à la délégation sur les copropriétés, particulièrement les copropriétés en difficulté, dont la Morée en particulier, je me suis intéressé à ce qui se passait dans votre secteur. La Morée va se redresser. Elle va se redresser grâce à qui? Grâce à vous et à la solidarité que vous allez manifester. Combien d'entre vous ne sont pas au conseil syndical?
Combien d'entre vous disent « et les travaux ?» Ils attendent. Il faut avoir une autre énergie. Il faut aller au-devant. Faire valoir vos droits. Retenant de ce qu'a dit monsieur. Ça fait 3 ans que j'ai payé les travaux. Oui. Ça commence double début vitrage, tout ça. Et... début juin. On a là ici un tout petit retard. C'est ouais. qu'il y a 2 sociétés pilotes ouais. qui sont en concurrence. Et on voulait ouais, avoir vraiment le maximum de garanties quant à la sécurité. Bon, je vais. Je si vous voulez bien, tu redonnes. Pour les travaux, il y a encore une autre, chose. Ouais. Parce que les travaux se font comme ils nous disent que les travaux se font, bien sûr. Ouais. Mais ces travaux ne sont pas les vrais travaux. Admettons que les ascenseurs sont chez nous, ce sont les ascenseurs qu'ils ont pris les ouvriers qui nous ont. Bon, de l'Est. Pour nous mettre les ascenseurs, ce ne sont pas les ascenseurs, ouais. ce sont les feux de paille qui sont aujourd'hui brillants, demain il n'y a plus rien. Nous n'avions pas des ascenseurs. 9 rue de Mimosa, nous avions un ascenseur qui ne marche pas dès le premier jour qu'on a mis ça. Ça a marché que 2-3 jours et c'est là. Nous avions que seulement un ascenseur qui nous amène jusqu'à 12e étage. Pendant ce temps-là, il y a les enfants, il y a les femmes qui sont enceintes, il y a les gens qui sont les vieux et les infirmes. Et il y a une fois, l'ambulance est venue prendre un malade. Ils ont porté le malade de 12e étage en bas. Et sans ascenseur. Vous trouvez que c'est normal? Les travaux qu'ils nous font là aujourd'hui, ce ne sont pas les vrais travaux. Ils mettent n'importe quoi et nous montrent qu'ils ont fait les travaux. Il faut les travaux, les meilleurs éléments pour que ça dure. Aujourd'hui, on nous met ça, demain ça va se casser et on va nous demander encore l'argent pour d'autres travaux. Hein? Nous avions peur de tout. Dans notre immeuble. On ne peut pas rester dans nos immeubles. On a peur de tout ce qu'on vous a dit là. Bien, on ne peut pas s'avancer parce que il y a un cadavre. Quelqu'un va mourir. Les gens attendent que quelqu'un meure ici pour que la justice se fait. Non. Il y aura un mort ici. Et peut-être pas trop loin que nous avions dit les faces qui sont ici aujourd'hui. Et qui va dire que peut-être demain quelqu'un ne va pas mourir parce qu'on s'est mis comme ça aujourd'hui à la télé. Et comme quelqu'un va nous voir, il va nous attendre à l'ambus pour arranger ses comptes. Hein? Il faut qu'on nous fasse ça au plus vite que possible. Avant que